Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laurent. Laurent Picard. Bonjour Laurent. Bonjour Romain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Laurent, est-ce que Laurent peut présenter Laurent? Bien sûr. Donc Laurent Picard, diplômé du Collège Palmer en 92. J'ai eu la chance de rencontrer la chiropratique très jeune, j'avais 16 ans, et je suis tombé amoureux. Voilà, je suis tombé en amour, comme ils disent au Québec. Tombé en Et amour. voilà, et c'est une grande passion qui continue tous les jours. À Donc, 16 ans, comment t'as fait pour rencontrer la en chiropratique à fait, 16 ans? ce sont pendant les stages, tu sais, de formation Ouais. qu'on fait en troisième. Moi, je voulais être neurochirurgien au départ, et puis j'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi. Comme j'ai toujours voulu être dans le soin petit, par le biais de ma mère, qui m'a dit, écoute, moi, je me suis fait traiter il y a des années, j'étais paralysé par un chiro à Paris, et je pense que la chiropratique, peut-être, ça peut être une profession pour toi. Et je suis parti là, sans savoir ce que c'était. Je suis rentré, j'ai tapé la porte d'une chiro qui s'appelait Christiane Blou. Bonjour, je ne sais pas ce que vous faites. Il paraît que c'est bien. Et j'ai un stage éventuellement à faire. Est-ce que c'est possible? Et elle me fait, OK, pas de problème. Elle me dit, écoute, voilà des bouquins. Donc c'était tout en anglais. Donc déjà, c'était un peu costaud. Et elle me dit, j'avais 16 ans. Hein, donc elle me dit, ben voilà, si tu veux, tu peux venir. Et j'ai commencé à prendre des bouquins. Je commençais à lire un petit peu en essayant de comprendre. Elle m'a expliqué ce que c'était un peu plus. Et puis du coup, j'ai dit, OK. Et là, j'ai fait mon stage, au bout de 3 jours, je suis rentré, j'ai dit, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est C'est beau ce ça. moment-là. Ah, c'est. C'est fort. Ah, ces bouquins, c'est les Green Books que tu as mis dans les mains? C'était des bouquins de neuro, Non, d'anatomie? c'est la philosophie du Palme, du Sherman qui décrivait la chiro, qui décrivait l'école, le collège, les fondamentaux en fait de la science, si on peut dire, de la philosophie et de l'art de la chiropratique, parce que pour moi ce sont vraiment des leitmotifs, quoi. Et donc je suis rentré là-dedans progressivement, et après j'ai rencontré Claude Christophe à Bordeaux qui m'a parlé de l'IFEC. Je suis parti à l'IFEC. Et à l'IFEC, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Florence Mézenguy, j'ai rencontré Jean-Pierre Puerto. Et dès mes premières années, ma première année, mon premier semestre, j'ai été confronté à SOT, à Eke, à tout ça, quoi, très rapidement. Et là, je suis passé à une autre dimension. Puis après, j'ai vu des chiros à Paris qui avaient des gros cabinets, que je suis allé voir, avec qui j'ai discuté. Et là, je me suis dit, mais attends, l'IFEC, vraiment, c'est ça, mais la chiro, c'est les States, quoi. La chiro, ça part des States. Donc, il faut que tu parles anglais. Et donc, j'étais nul en anglais. Et donc, je me suis mis à l'anglais. Je me suis mis à l'anglais. J'ai commencé à aimer l'anglais. Parce que la littérature était en anglais. Les séminaires étaient en anglais. Il y avait tout en anglais. Donc, je me suis dit, voilà. Et puis, il faut que tu partes au State. Parce que j'avais toujours rêvé d'avoir parti au State. Et puis, parce que je me suis dit, mais c'est là-bas que ça se passe, quoi. Donc, je me suis dit, je vais à la source. Et je suis parti, en fait, à Palmer. Je me suis dit, tant pis, je vais me geler, mais c'est pas grave. Et je suis parti à Palmer. Et à Palmer, en fait, je suis parti, j'avais pas un rond. Je suis parti avec exactement 7 500 euros en poche, C'est en quelle année ça? en 89, le 15 décembre 89, exactement. C'est gravé dans la roche. Aux États-Unis, je suis parti avec 7 500 euros dans ma poche, un sac à dos et une valise, et avec la conviction profonde que ça allait changer ma vie, et ça a changé ma vie. Ah, Et pourquoi je suis parti là-bas? Parce qu'en fait, je me suis dit, mais ces techniques-là, je veux dire, c'est vraiment des choses magiques, quoi. Les gens qui travaillent comme ça, ce sont des magiciens, quoi. Voilà, ce sont des magiciens. Donc en fait, moi j'avais dépassé certaines choses, quoi, malheureusement, parce que mon esprit avait été tiré au-delà de la norme, il ne pouvait plus revenir en arrière, et donc je me suis dit, mais il faut que je parte, il faut ouais, que je c'est le parte. premier semestre, tu fais déjà SOT, EK, t'en as plein les mirettes, quoi. Voilà. Et puis, je suis allé voir des chiros, si tu veux. Je suis allé voir des chiros leaders tout de suite, quoi, à Paris, qui avaient des gros cabinets et qui commençaient à me parler. Ils m'invitaient à manger, ils m'expliquaient, si tu veux. Et moi, je me suis dit, mais waouh! Je suis dans le bon bateau, je suis dans le bon truc, mais pas peut-être au bon endroit. Il faut que j'aille là-bas pour voir comment ça se passe. Sinon, je vais manquer quelque chose. Donc, moi, je suis très curieux. Je suis parti à Palmer. Et à Palmer, j'ai rencontré d'autres personnes encore fantastiques. Docteur Vern Hagen en SOT, j'ai fait des techniques magnifiques, Edge Cryo, je me suis régalé, quoi, régalé. On vivait la chiro tous les jours, on parlait philo, on mangeait philo, on dormait philo. Tu te souviens de ton premier ajustement? Oh. Je crois que c'était un toggle. C'était un toggle parce que je faisais peur cervical advance. Et donc, voilà. Mais bon, moi, tout de suite, je suis rentré, tout de suite, j'ai fait du SOT.
Je suis allé au Marska, rencontrer des leaders en SOT. J'ai mangé la chiro. J'ai vraiment fait de la technique. La technique. Je suis rentré des États-Unis. J'ai fait SOT, EK, NOT, TBM, NET, BEST. Tout ce que j'ai pu prendre, je l'ai pris, quoi. Voilà. Super. Je rentrais avec des tonnes de classeurs, de copies. Voilà. Et ça s'est voilà, ça s'est développé comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer des pointures et de vivre avec ces pointures, de discuter avec eux. Et ça te nourrit de l'intérieur, toujours. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes à nous raconter? Oh, que te dire? Non, j'ai mangé avec Ted Mortor. J'ai mangé avec Ted Mortor. J'ai mangé qui était un homme fantastique, un homme charmant au niveau de la communication. C'est quelqu'un très grand. J'étais chez Ferrari à New York. J'ai travaillé avec lui. Ferrari, c'était un homme très spécial, mais fantastique aussi, d'une richesse, d'une intelligence. Voilà, c'est des gens fabuleux, quoi. C'est des génies. On a des génies dans notre profession. Et D'accord? maintenant, avec tout ce pack de techniques, qu'est-ce que tu utilises plus en cabinet? Avec tout ce que tu as fait comme technique, toi, tu... J'utilise de tout. Par contre, je considère, et c'est ce que je transmets pour moi comme valeur, c'est qu'on a des fondamentaux. C'est comme dans le corps, on a des fondamentaux. Et donc, il y a des grands axes. Et je pense que pour un étudiant qui sort de l'école, masteriser l'ajustement, bien sûr. Dans ces techniques-là, je dirais Gonstead et puis Diversified, Gonstead et HIO sont vraiment des spécifiques. Et puis après, SOT et EK, parce que SOT vous ouvre une perspective sur la compréhension du crânio-sacré avec la dure-mère, avec la mâchoire, tout le travail de Jean-Pierre Mersman. Je veux dire, c'est là. Et puis Goddard. Goddard, c'est le moyen. En parallèle de la palpation, qui va permettre d'obtenir des informations du corps du patient. Donc, on est en directe communication Alors, avec neurologie. Alors, pour ceux qui parlent, qui savent pas qui est Goudert, pour les jeunes confrères, hein. voilà, je peux expliquer rapidement, mais en fait, bon, moi, je suis chiropracteur et j'ai aussi une casquette de formateur en parallèle. Donc, je suis allé chercher ces techniques-là. J'ai organisé avec Philippe Albertini à une certaine époque. Un organisme de formation pour enseigner toutes ces techniques, faire venir les gens en France. Il n'y avait rien à l'époque. Malheureusement, Philippe est décédé. Et donc, petit à petit, j'ai repris le flambeau tout seul. Et aujourd'hui, j'ai une structure qui s'appelle Chirolistic Coaching, hein, qui est un petit peu connue. Et j'organise à la fois des formations pour certains chiros, s'ils ont besoin. Et en même temps, moi, j'organise des formations où j'essaie de transmettre les deux techniques principales, trois, parce que j'ai fait. EK, où je suis DIBAC depuis 2008, et j'enseigne ça en France, je suis le seul aujourd'hui, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont venir, donc je pousse les jeunes à me suivre un petit peu dans cette voie. On a créé ici à CA France avec Florent Fournier et Jean-Philippe Pialas à l'époque, et donc on a développé sous les conseils de David Leaf. On a implanté un chapter français d'ICAK. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes dans ce chapter. On a des cours qui viennent du Québec avec des instructeurs québécois. On a David Leaf qui vient. Tout ça, c'est richesse, c'est plein développement. Et donc, c'est fantastique parce qu'en fait, maintenant, les jeunes peuvent acquérir en anglais et en français les bases de la kinésiologie appliquée. Parce que D'accord? les séminaires que vous faites sont aussi en français. Oui, alors je l'ai fait en français, je l'ai fait en anglais à Barcelone, par exemple. Je vais les faire en espagnol, un de ces jours. C'est tout le mal qu'on te souhaite. En Andorre, je fais les consultes en espagnol. Donc, je vais arriver à donner les cours en espagnol, mais c'est un petit peu touchy pour l'instant, mais ça va arriver. Donc, comme quoi, on apprend toujours. Et puis, on a quand même organisé un congrès international, je dois le souligner, en 2011, avec notre équipe, et c'est un moment fantastique, à Bordeaux. On avait 130 personnes avec des chiros, des ostéos, des médecins, des dentistes du monde entier qui recherchent en équipe. Qui ont des papiers de recherche. On a invité les instances françaises, d'accord, les présidents de toutes les catégories. Personne n'a répondu présent, d'accord. On les a invités gratuitement. Je sens un maire là. Je me sens amer, mais je trouve que c'est. D'abord, ils n'ont pas pris la. Je veux dire, quand tu reçois une invitation, la première chose, c'est quand même de répondre. On t'invite gratuitement quelque chose. Non, je ne veux pas venir, ou je peux pas venir. Tu peux trouver une issue si tu veux, mais au moins tu réponds. C'est la première chose. Après, c'est dommage, parce que la critique est toujours facile. D'accord? La critique est facile. C'est facile de dire des choses sur des choses.
Mais là, on a des preuves scientifiques, on a des gens qui font des recherches dans le monde entier, dans différentes professions. On ne peut pas cracher là-dessus comme ça, c'est trop facile. Dire que les os du crâne ne bougent pas, dire que le testing musculaire c'est de la merde, dire que tout ça c'est pas cohérent, c'est positif, c'est pas. Notre profession vaut mieux que ça. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de s'approprier progressivement ces techniques. Donc moi, je ne veux pas que ça meure dans la profession chiropractique. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je suis allé aux États-Unis, j'ai déposé les statuts en 2005 et j'ai ramené ça pour qu'en France, il y ait quelque chose qui existe et qui représente ICHK International. Bon, c'est un choix, ce sont mes convictions, ça n'engage que moi. Et aujourd'hui, on a quand même une grande dynamique de jeunes qui sont en train de progressivement de se dire, mais ouais, il y a quelque chose là-dedans. Et si des gens comme Pianta, comme Mersman et plein d'autres chiro font de l'équipe, c'est parce que ça fonctionne. C'est tout. C'est pas un truc complètement sorti de n'importe où. Alors il faut faire une distinction. Et le grand problème, il est là entre la kinésiologie, qui est un dérivé non scientifique, je dirais, et la kinésiologie appliquée clinique. Hein, qui est la branche de Goddard et qui fait référence à la science, à la neurologie. Donc, on est dans cette dynamique-là. Et on a la chance d'avoir une structure internationale, c'est-à-dire en Asie, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Quand vous allez à un congrès international, vous rencontrez des médecins. Des médecins, vous avez 800 médecins en Allemagne qui pratiquent l'équée. C'est énorme. D'accord? Donc, si on ne fait rien, on va être phagocyté. Et nous, Et comment justement on peut se démarquer en tant que parce chiro si c'est une technique que okay, je vais me faire l'avocat du diable. Alors pour faire l'avocat du diable, j'ai des cornes. Donc je me fais bien. l'avocat du diable. Mais comment nous on se fait pour se démarquer si on fait tout le monde fait de l'équé? Comment on trouve notre unicité dans l'équé? Mais c'est pas. Alors, l'équée, c'est un outil diagnostique, d'accord, qui permet d'obtenir des informations sur le fonctionnement du corps du patient. Dans tous les domaines. Dans le domaine structurel, neurologique, dans le domaine métabolique et dans le domaine émotionnel. Ce sont les trois aspects qui constituent l'équilibre des fonctions du corps en général. Donc on a cette chance de pouvoir accéder à ces informations et de pouvoir accéder aux interdépendances et interrelations qu'il y a. Ça veut dire qu'un problème de dos, une vertèbre, elle peut être bloquée, oui. On connaît les réflexes viscéro-somatiques, somato-viscéraux, viscéro-viscéraux, somato-émotionnels. On connaît tout ça. Mais comment on va pouvoir savoir qui fait quoi? Je prends un exemple. Problème de foie, d'accord? Classique. Okay? J'ai trop mangé, j'ai trop bu, j'ai le foie lourd. Okay? L'organe est affecté. Ça va automatiquement créer une faiblesse sur le muscle pectoral externe, parce qu'ils sont reliés directement. Donc j'aurai une faiblesse qui va fragiliser mon épaule. Okay? Si je ne traite pas le foie, je ne peux pas traiter ce muscle. Mais le foie, sur le plan viscéro-somatique, c'est aussi T8, on le sait avec des jarnettes. Donc on a déjà une autre porte d'entrée. Si je traite T8, est-ce que c'est la cause? Pas forcément. Peut-être qu'il faudra aussi traiter le foie. Donc on voit bien qu'il y a une interconnexion entre les choses. Et il faut être capable de discerner toutes les facettes qui sont impliquées dans une problématique. Il faut se rappeler Didi Palmer. Didi Palmer nous dit quoi dans son Chiropractic Adjuster? The cause of disease, okay? Three causes, okay? Subluxation, structurale, autosuggestion, la pensée, et biochimique. Donc, il le dit, c'est là, c'est nos racines. Allons utiliser les outils qui nous permettent de décrypter ça. Si je ne traite pas l'organe, je ne peux pas traiter le viscérosomatique, parce que c'est la cause, il y a une cause viscérosomatique. Donc, nous, notre but, c'est quoi? Décrypter et être capable d'enlever tous ces barrages. Et c'est là où la chiropractique a une envergure énorme. Parce que, un, on est une profession de santé naturelle. Donc c'est énorme, naturel. On fait des choses que les autres ne font pas. On est en direct lien avec la neurologie, avec la structure, avec le métabolique, avec la partie émotionnelle. L'émotionnel, c'est d'une puissance énorme. Nous avons tous été formatés. Bruce Lipton, les travaux de Bruce Lipton, j'engage tout le monde à lire La biologie des croyances. Quand j'ai commencé ce livre, je n'ai pas pu l'arrêter. D'accord? Tellement c'était du biberon, c'était quelque chose, c'était puissant. Beaucoup de vidéos sur YouTube aussi, vous pouvez les consulter Mais facilement. exactement. Lisez Bruce Lipton, encore ce gars, plus chiro que certains chiro. C'est-à-dire dans sa pensée, dans sa philosophie. Donc, il faut comprendre que la science évolue et que nos concepts sont vrais, nos concepts sont profonds.
Et nos concepts aujourd'hui, progressivement, ils voient la science qui les supporte. Donc nous sommes dans la bonne direction. Et Super. ne pas chercher à être autre chose que ce que nous sommes. Nous sommes des chiropracteurs. Oui, nous travaillons avec le système nerveux. Okay. Voilà. Donc notre fonction à nous, c'est quoi? C'est d'enlever les barrages qui sont à la base du fonctionnement du corps. Notre corps est en perpétuelle adaptation par ses cinq sens, par tous les sens, à son environnement. Alors, toi, tu utilisais le mot subluxation. Oui. C'est des mots comme ça qu'on a dans notre vocabulaire chiro que beaucoup essayent de supprimer. Oui. Comment tu définis la subluxation, toi? La subluxation, c'est un blocage articulaire dans son range of motion, okay, qui va avoir un impact au niveau neurologique et qui va. C'est une adaptation, en fait, du système nerveux à une stimulation, à une cause. Maintenant, il peut y avoir plusieurs aspects là-dedans. Notre but à nous, c'est de décrypter les facteurs qui sont à la base de la cause de la subluxation. Les facteurs qui sont la base de la cause de l'oscillation. Et ces trois facteurs principaux, c'est encore la structure, le métabolique, l'émotionnel. Une vertèbre, elle ne bouge pas toute seule. Elle bouge peut-être parce qu'il y a eu un trauma, mais derrière, on va avoir, à cause de la bilatéralité musculaire et surtout des muscles intrinsèques de la colonne vertébrale, on va avoir une asymétrie. Donc on va avoir un côté qui va être raccourci par rapport à un autre côté. C'est ça qui fait que la vertèbre ne revient pas en place aussi. Pourquoi elle ne reviendrait pas en place tout seul? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est figé, et donc notre but à nous, c'est de restaurer le mouvement. Comme le dit si bien Jean-Paul Pianta, tout est mouvement dans notre corps. Tout est en interdépendance. Si le crâne se bloque, le bassin se bloque, ça marche ensemble. Le haut du corps fonctionne avec le bas du corps, l'avant, l'arrière. Quand tu marches, tu avances ton bras droit avec ta jambe gauche. D'accord? C'est tout ça qu'il faut comprendre. Et si on veut avoir un impact réel et surtout durable, parce que la problématique qu'on a aujourd'hui dans notre profession et dans toutes les professions de soins, on va dire, sur le neurosquelette, c'est qu'on fait tous des corrections. On a tous certains résultats. Mais combien de temps ça dure? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si on veut être les meilleurs, et on est les meilleurs, on peut être les meilleurs, c'est quoi? C'est de faire des corrections rapides, spécifiques et durables. D'accord? Parce que demain, les jeunes qui vont sortir là, dans le monde de demain, s'ils ne sont pas armés, comment ils vont faire? Et donc pour maintenir justement l'ajustement sur le long terme, quelle est pour toi la vision que doit avoir le chiro au moment d'aller travailler avec son patient? Quel objectif il doit avoir en tête? Donc quelle idée doit avoir en tête pour pouvoir justement amener la structure et son ajustement à se conserver dans le temps? Pour moi, alors il y a plusieurs réponses possibles. La Donc première chose, pourquoi? c'est d'être bien dans sa tête. C'est-à-dire qu'un chiropracteur ne peut pas faire bien son travail si lui-même n'est pas dans un état, on va dire, assez optimal de fonctionnement. Parce que c'est nécessaire. Nous sommes des thérapeutes, nous sommes des hommes et des thérapeutes avant tout, et que pour pouvoir donner, il faut être en équilibre. Le soin, c'est de l'amour. Première chose, c'est de l'amour. Autre chose. Donc, si tu n'es pas en empathie avec ton patient, si tu n'es pas, tu ne peux pas, comment dire, travailler correctement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut posséder ses connaissances. Encore une fois, la chiropratique, c'est une philosophie, une science et un art. Et donc, dans l'art, il y a pour moi la part de technique qu'on doit posséder. Ces techniques sont des outils. Ces outils nous permettent d'accomplir des choses et nous permettent surtout d'obtenir des informations pour savoir ce qu'on doit faire. Dans ces outils, il y en a plusieurs. J'ai parlé de l'EQ, il y a SOT. Et donc, très rapidement, eh bien, il faut avoir une vision pour savoir, et moi j'utilise beaucoup les catégories, parce que les catégories, c'est des référentiels qui nous permettent en fait de savoir, OK, c'est quoi la priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un exemple. Hein. Je parle sur le plan structurel. Et encore une fois, les catégories, c'est comme un jeu de reconstruction. Hein. Moi, je considère toujours les choses comme une construction. Si tu as une distorsion au niveau des pieds, tu vas avoir une distorsion. Tout le monde te dit ça, Gonstead, Desjarnets, Goodhart. Si tu as un problème au niveau des pieds, tu vas avoir une distorsion jusqu'en haut du crâne.
ça va affecter tout l'édifice. Et plus la distorsion est basse, plus le problème est basse, plus la distorsion sera grande et haute. Donc, il faut comprendre ça. Si tu as une priorité au niveau des pieds, tu as une priorité au niveau des pieds. Si tu as une priorité descendante au niveau de la mâchoire, l'ATM, c'est le terminal avant le cerveau le plus important. Regarde les travaux de Jean-Pierre. D'accord? Jean-Pierre a passé une grande partie de sa vie sur la mâchoire. Les résultats qu'il a obtenus sont fantastiques. D'accord? Le crâne. Il va râler parce qu'on dit à chaque fois qu'on parle de lui, on parle de la mâchoire. Non, je parle de la mâchoire. C'est fantastique. Il est bon partout, de toute façon, Jean. Oui, Jean-Pierre, merci. Ce n'est pas que la mâchoire. Ce n'est pas que la mâchoire. Jean-Pierre, calme-toi, tu n'es pas que la mâchoire. Non, tout est bon chez Jean-Pierre. Tout est bon, ce Jean-Pierre. Et donc, le crâne, nous sommes chiropracteurs, d'accord? On nous vend quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi notre philosophie? Le système nerveux, c'est quoi? 80% ici, 20% de la colonne vertébrale. Tu touches pas au crâne, tu t'amputes tes deux bras, d'accord? T'as pas tes 80%. Tu touches le crâne, bing! Il y a plein de choses qui bougent. Tu as des réponses, tu sais même pas pourquoi. Il y a des choses qui changent au niveau des pieds, il y a des choses qui changent au niveau de la posture. Tout en interdépendance. Quand j'entends dire aujourd'hui que pour traiter un truc, il faut faire que du loco-local, certes, il faut aller voir la problématique localement, mais on fait quoi là? On fait un cachet d'aspirine ou on fait un traitement de fond? La mission chiropractique, elle est beaucoup plus grande que ça. Ce n'est pas la douleur. La douleur, oui, il faut la traiter, bien sûr, parce que sinon les gens n'y reviennent pas. Mais, et ça, on est capable de le faire assez rapidement. Mais la vision chiropratique est beaucoup plus large que ça. C'est optimiser les fonctions naturelles du corps du patient pour le maintenir en homéostasie le plus longtemps possible. Okay? Et pour ça, il faut avoir un plan d'action structuré, organisé. On commence quelque part et on finit quelque part. Comment ça se passe justement, toi, généralement, la première visite? Comment tu structures ta première visite? La première visite, déjà, les patients font un bilan postural avec un laser en 3D, ouais, pour comprendre leur posture. Et qu'ils comprennent leur posture. D'accord? On fait un bilan aussi podal, ouais, pour une idée aussi de la partie podale. On fait le test de Jean-Pierre pour savoir si l'ATM est prioritaire ou pas. Okay. On fait des tests ensuite pour voir dans quel type de catégorie ils sont prédominants. S'ils sont plutôt une catégorie 3, un problème lombo-sacré, ou une catégorie 2, un problème sacro-iliaque. Okay. Et puis à partir de là, on regarde des fonctions au niveau des organes avec les tests musculaires, pour savoir s'il y a des priorités. Je fais un truc très court. Ouais, ouais. Catégorie 2, c'est un problème de bassin sacro-iliaque. On a souvent un PI d'un côté, un MIS de l'autre, avec un ligament sacro-iliaque qui ne tient pas. Bon. Mais qu'est-ce qui peut créer ça? Plein de choses. Souvent, c'est souvent dû à ce qu'il y a une faiblesse des muscles antérieurs, du compartiment antérieur de la jambe, avec une rotation postérieure du bassin. Donc, ça entraîne un travail. Donc, les muscles postérieurs vont dominer par rapport aux muscles antérieurs. Dans les muscles antérieurs, on a principalement quoi? Le gracilis, le sartorius et le quad. Okay? Si le sartorius, qui est en relation avec les surrénales, qui est en relation avec le stratus... Ah oui, ça a coupé. Le sartorius, je te prends, ça a coupé. Le sartorius est en relation avec les surrénales et avec... Avec les surrénales. Okay? Donc, c'est l'organe qui gère le stress. Si tu es dans un fight-flight complet depuis très longtemps, tes surrénales, elles sont complètement en dépression. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas renforcer le muscle tant que l'organe n'est pas renforcé. Donc, et tu es en relation avec quoi? Avec tes nerfs. Donc tout ça, c'est interconnecté. Si tu traites qu'un facteur, c'est bien. Donc par exemple, si tu vas juste sur tes nerfs, tu as fait un... C'est ça que tu traites, juste un facteur. Est-ce que tu vas traiter la cause? Peut-être pas. Suspense. Je te le dis, moi. Suspense. Je te dis, moi, c'est sûr que non. Il n'y a plus de suspense, les enfants. Et c'est encore pire que ça. Parce que tu es stressé. Mais ce stress, il vient d'où? Peut-être d'un événement que tu as mal vécu, mal interprété, et qui continue tout le temps à générer un stress sur les glandes surrénales. Yeah. Donc, il faut renforcer l'organe, mais peut-être il faut enlever aussi le stress, le barrage qui crée l'interférence. Tu sais très bien avec Bruce Lipton que, en fait, le message, il part du cerveau vers la cellule. C'est un signal. Si le signal n'arrive pas à la cellule, ou le signal est parasité par autre chose, la cellule ne peut pas bien fonctionner. D'accord? Et tout ça, c'est véhiculé par le système nerveux. Donc, si on arrive à décrypter qui fait quoi, et qu'on enlève, et qu'on travaille sur toutes les facettes, boum, on a un résultat rapidement. Sinon, on n'a pas de résultat dans le temps. Et nous, on veut ça. Et c'est ce qui fait toute la différence, et tout ce qui fait toute notre puissance. D'accord? Par rapport à plein d'autres choses. Voilà. Je considère la chiropractique comme
la profession de santé naturelle la plus importante, la plus puissante dans son action. Je dis pas ça parce que si, parce que je prêche pour ma paroisse, mais parce que je le sens. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, c'est évident. Nous sommes sur la planète la plus forte profession de santé. Et je vais dire aux jeunes, si vous avez le sentiment de ne pas être au bon endroit, vous vous êtes trompé. Vous êtes au bon endroit. On a la plus belle profession, une des plus belles professions au monde. Soigner les gens. Nous, on ne soigne rien. On enlève des barrages, d'accord? On permet au système nerveux de retrouver son équilibre. Quand tu soignes un enfant et un bébé et que tu enlèves le barrage et que le lendemain ou le surlendemain, tout change, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Il n'y avait rien de plus beau que ça. D'accord? Tu Il n'y a rien de plus te beau. permets de dire ça aux jeunes parce que Et tu. nous, on doit rester humbles parce qu'en fait, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des instruments qui permettent ça. Okay? Alors pour arriver là, il faut comprendre, bien sûr. Il faut savoir, il faut comprendre. Il faut acquérir des connaissances. Il faut développer un art. Tout ça, on en a besoin. Mais comprendre que nous, en fait, on n'est pas sur un piédestal. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas ça. Nous sommes simplement des êtres qui permettent d'enlever ces barrages, qui permettent à la nature de faire son travail. C'est tout. On en revient à ce que tu disais de l'amour et de l'empathie au début. Et puis tu te permets de dire ça aux jeunes, parce que toi tu vois des jeunes toutes les semaines venir te parler. Je pense que tu les vois justement de plus en plus déprimés. Moi, j'ai la chance d'avoir cette casquette de formateur qui m'anime énormément de l'intérieur, parce que régulièrement, je vois des jeunes qui posent des questions. Régulièrement, dans les formations, dans les cours, j'essaye de leur transmettre ces valeurs, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et souvent, j'aime bien parce que là aussi, je mets des petites graines, d'accord? Et je vois ces graines grandir au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Fantastique aussi. C'est un autre aspect de la profession, parce que je vois ces jeunes qui tout d'un coup se disent, mais ouais, Il y a quelque chose, en fait. En fait, je ne me je suis pas savais trompé. qu'il y avait quelque chose, mais je n'avais pas compris quoi. Et là, ils sortent de la caverne. Ils sortent de la caverne. C'est fini, quoi. Ils voient le truc et ça y est, ils ont compris. Et là, ils tracent. Et à partir de ce jour-là, ils tracent. Et c'est fabuleux. Fabuleux. Et comment tu communiques la chiro aux patients? Comment tu t'adresses à tes patients? Est-ce que tu fais des petites classes, des petits cours? Toi, tu es un grand conférencier, Laurent. Est-ce que tu donnes des conférences aussi à tes patients? J'ai fait beaucoup de conférences il y a des années. J'en fais un petit peu moins aujourd'hui, d'abord parce que je n'ai pas le temps. J'essaie dans le cabinet, surtout, je pense qu'une chose qui est fondamentale, c'est d'expliquer aux gens. Expliquer aux gens, quelqu'un qui comprend, il va comprendre, et il va assimiler et il va automatiquement intégrer le concept. Donc c'est très important de lui expliquer ce qu'on fait, sans passer par des heures de pas ça, mais surtout aussi lui expliquer son problème. Si on est capable de lui expliquer son problème et qu'on lui traite son problème, c'est fini. C'est fini. C'est quelqu'un qui va après vous envoyer sa famille, ses amis, ses relations, parce qu'il a intégré ce que toi, tu peux faire pour lui. Et ça, c'est la chose fondamentale. Sans passer par des laïus et des trucs Avec des compliqués. mots simples. Et trop philosophique parce qu'un patient qui vient, qui a mal, ce qu'il veut, c'est Ouais. plus un Il va patient. pas t'écouter au début. Il va pas t'écouter, il n'est pas prêt pour ça. Par contre, si tu lui dis voilà, voilà à mon sens ce que vous avez et voilà ce que je suis prêt à faire pour vous. Et en même temps, on va chercher à enlever cette douleur, on va chercher à vous aider, d'accord? Sachant que c'est une priorité parce que on veut vous sortir la tête de l'eau. Et si nous, on est capable de faire ça rapidement, et on est capable de le faire le plus souvent, avec des choses simples, je veux dire, une catégorie 3, c'est un truc simple. Si on la conduit bien, c'est simple. Le gars, il arrive avec sa hernie discale, avec son truc, il a vu des médecins, il a vu des kinés, il a vu des ostéos, et puis il n'a pas de résultat. Et nous, en deux visites, ben, il remarche. Et pourquoi? Qu'est-ce Et qui a fait la pourquoi? différence entre nous et justement tous les corps de métier qu'on a vus avant? Parce que moyen de dialoguer avec le système nerveux du patient par le biais, pour moi, de la communication verbale, non verbale, on n'en parle pas, mais c'est très important aussi. La façon dont toi tu es, dont toi tu rayonnes, c'est très important, d'accord? Et ça, n'importe qui le ressent lors d'une thérapie. Donc déjà, il y a ça qui se passe. C'est ce que disait Jean-Pierre l'autre jour, c'est que en fait, ben voilà, cette communication, elle est là.
temps, il y a quelque chose qui se passe déjà, là, tout le temps. Ouais. Après, il y a la capacité à effectivement expliquer au patient et trouver la problématique. Et ça va passer par la connaissance, ça va passer par les techniques, la palpation, les tests ortho, les tests kinésio qui sont en relation avec la neuro. Un test kinésio bien conduit, le patient, il comprend tout de suite. Je veux dire, il essaye de résister, c'est faible. Il touche quelque chose, il touche sa cinquième lombaire, boum, c'est fort. On sait qu'il se passe quelque chose ici. Ça y est, lui, il le sait. Il ne sait pas le listing, mais il sait qu'il y a quelque chose qui est là. Parce qu'il ne peut pas bouger son pied, et là, il peut bouger son pied. Et là, quelque part, dans sa tête, il se dit, waouh, là, il y a quelque chose. Après, on palpe. Là, ça fait mal. Si je mets comme ça fait plus mal. Il ressent dans son corps les changements immédiats. Et ça, il n'y a rien qui parle plus que ça. D'accord? Si après, quand il se lève de la table, il est déjà mieux, même s'il a encore 60% de douleur. Mais c'est fantastique. Donc là, ça va, c'est un mariage qui se fait. C'est un mariage entre le patient et toi. D'accord? Ça se passe comme ça. Et c'est beau. Et après, une fois que le patient va avoir intégré ça, progressivement, il va rentrer dans le concept. Parce que si on lui dit, voilà, on a fait ça, mais maintenant, en fait, on va faire ça. Parce que là, derrière, il y a tout un échafaudage qu'on va pouvoir construire, il y a toute une stabilité qu'on va pouvoir vous apporter et qui va faire que ça va durer. C'est tout. Si on est capable de faire ça, on a gagné la partie. Et surtout, on a gagné la partie aussi au monde extérieur. Parce qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, on est dans un monde ouvert. Tout le monde fait plein de choses, on entend parler de plein de choses. Et encore une fois, nous avons la capacité. Nous sommes les seuls à avoir cette capacité parce que notre philosophie, notre compréhension de la science et notre art, à travers nos techniques, nous confèrent en fait le plus haut niveau, le plus haut niveau de travail dans ce domaine-là. Super. Et ça, j'en suis sûr aujourd'hui et j'en suis sûr pour l'avenir. J'en suis confiant pour l'avenir. Si on a derrière des jeunes qui reprennent le flambeau et qui continuent, parce qu'en fait, c'est une quête perpétuelle. C'est ça. D'accord? Toute notre vie, on apprend. Moi, Passer la torche. je suis sorti de l'école en ayant la conscience que je ne m'arrêterai jamais d'apprendre. Je ne m'arrête jamais d'apprendre. Je lis régulièrement des choses. Je suis passionné, je veux dire. Ayez la passion, ayez le feu sacré à l'intérieur. C'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu es en train de Parce que lire là justement en ce moment? Je m'intéresse beaucoup à l'intestin parce qu'en fait, je suis allé en Autriche il y a un mois voir une clinique d'un confrère d'IBAC allemand qui a développé une clinique spécialisée sur le traitement de l'intestin avec une technique de Joseph Mayer, qui en fait est un chercheur autrichien, médecin, qui a été le premier à travailler sur l'intestin. Et encore une fois, encore tout est lié. Il a découvert que suivant les typologies de problématiques du patient, c'est pas Ah, fantastique ça. redis-le-moi parce que ça a coupé juste au moment où tu disais En fonction ça. des problèmes intestinaux que présente la personne, la posture de la personne va changer. Donc tu vas avoir une posture spécifique en fonction de ton dysfonctionnement intestinal. C'est pas intéressant ça? Ouais, tout à fait. Donc encore une fois, on a un lien entre la physiologie, entre le métabolisme et la posture. C'est quoi de plus intéressant? En plus, aujourd'hui, toutes les dernières recherches, j'essaye de lire différents livres là-dessus, mais toutes les recherches aujourd'hui convergent vers le fait qu'on a un deuxième cerveau dans cet intestin, qui est la production de la sérotonine, 90%, que tout ça s'est interconnecté. Donc, si que la barrière hémato-encéphalique est la même que la barrière intestinale, que cette barrière intestinale est altérée, notre barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau, qui filtre, eh bien notre cerveau est dysfonctionnel. Donc, voilà. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à notre alimentation. Donc, encore une fois, on va Encore retourner. une fois, voilà, Foutre, encore dans cette en fait. interconnexion, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dépasser. Mission en chiropractique aujourd'hui, c'est de dépasser et élargir notre concept. C'est un concept holistique, soi. Il faut être capable de faire ça. Oui, il faut bouger les vertèbres. Et oui, il faut bouger le crâne. Et oui, il faut corriger le bassin. Et oui, il faut corriger les pieds. Mais aussi, il faut travailler sur la partie métabolique. Il faut donner des conseils. Nous sommes les coachs de la santé. Des Ouais. coachs. Des super coachs. En D'accord? plus, avec notre mode de vie qui a quand même énormément changé ces derniers temps, je veux dire, c'est vraiment au niveau de la pollution, au niveau de la posture sédentaire, je veux dire, Tout. tout est Prends un fait contre le corps supermarché. humain. Prends un supermarché.
marché, si tu dis que j'étais 80% qu'il y a dedans, quoi. Tout ce qu'il y a Ouais. dedans, je veux dire, la plupart du temps, c'est des produits trafiqués, c'est Ouais, pas des super produits sains. marché, ouais. Ouais. Non, c'est la vérité. Bien sûr. D'accord? Alors, il faut comprendre tout ça, il faut pas être intégriste non plus. Mais il y a le corps est structuré, logique et ordonné. Il a besoin de substrats fondamentaux pour pouvoir fonctionner. Il a besoin d'alignements fondamentaux pour fonctionner. Il a besoin d'éliminer certaines pensées négatives pour fonctionner. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie intra-utérine à l'âge de 7 ans nous formate. Et ça, il faut faire le ménage aussi là. D'accord? On ne peut pas faire autrement. Sinon, on est pollué. On a des croyances. Ces croyances nous guident et en fait nous font croire qu'on choisit. 80% de nos actions conscientes sont dictées par notre inconscient. Qui est aux commandes? Oui, Qui c'est est aux ça. commandes? Nous avons plus de bactéries dans l'intestin que de cellules dans le corps. Qui est aux commandes? C'est ça. Et c'est, je sais plus qui c'est qui. J'avais lu une histoire comme ça qui disait Presque. le jour où j'ai réalisé que c'était le cerveau qui me disait que la partie la plus importante était le cerveau. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et donc, tous ces aspects sont vraiment très importants. Et moi, ça me passionne parce que je sais que, voilà, on apprendra toujours. Et nous sommes le point d'ancrage, le carrefour, parce qu'on touche à tout ça. Et donc, nous sommes les leaders dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on a une profession fantastique et qui est, pour moi, en devenir, si on accepte de ne pas être et devenir des médecins. Nous sommes dans une profession de santé. La médecine est dans une profession de maladie. D'accord? Deux choses Ce sont différentes. deux choses complètement différentes. Deux choses différentes. Qui sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. On a besoin de la médecine, de la recherche médicale, de ses applications. Et on a besoin de la chiropractique. Mais nous sommes avant la médecine. Parce que notre rôle, nous sommes des primary health care. Notre rôle, c'est quoi? D'optimiser naturellement la santé pour permettre au corps de rester en bonne santé le plus longtemps possible. D'ajouter de la vie aux années. Tout à fait. D'accord? Et des années à la vie. Ok? Grosso modo, c'est ça. Donc, nous, on est les coachs de la santé naturelle. Nous sommes ça. Après, l'un n'empêche pas l'autre, mais ne cherchons pas à devenir autre chose que ce que nous sommes déjà, que la puissance que nous avons déjà. Notre identité, nos racines, elles sont là déjà. Pourquoi s'en couper? À quoi ça sert? Moi, j'ai pas envie de devenir un médecin. Si j'avais voulu faire médecine, j'aurais fait médecine. Le jour où j'ai compris que ça m'intéressait pas, c'est autre chose, d'accord? Les intercommunications sont nécessaires entre les professions. Je travaille avec des podologues, je travaille avec des Tu dentistes, leur parles, et tu leur parles de je travaille avec des subluxation. chirurgiens. Tu leur parles de Comment? subluxation, podologue, au chirurgien. Tu leur parles avec des mots du vocabulaire chiro, ils comprennent. Quand tu as un médecin ou un chirurgien sur la table et tu lui expliques les tests kinésio qui sont pour certains en relation directe avec la neuro, les gars ils te disent, mais attends, vous connaissez tout ça, vous? Et oui. Et ils sont bluffés parce que le chirurgien ou le médecin qui est sur la table et qui voit le changement immédiat dans son corps, dans son muscle, dans sa physiologie, il dit, attends là, mais attends les mecs là, vous êtes où là? Nous, on ne sait pas faire ça. Alors pourquoi on va essayer de leur piquer Leur méthodologie. leur méthodologie? On a déjà la nôtre, la propre. Restons ce que nous sommes et surtout ne cherchons pas à devenir autre chose que ce que nous sommes. D'accord? Nous avons des génies dans la profession, de Jarnett, Goudart, Ferry. Bidjay, Didi, Ferreri, Walker, j'en passe, Epstein, j'en passe Ah et ouais. des meilleurs. D'accord? Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Voilà, il y en a pour tout le monde, ok? Et surtout, ouvrez les portes, allez voir, bougez-vous, allez dans les séminaires. Je veux dire, moi, quand je vais dans un séminaire, je ressors, je suis boosté. Quand je donne un séminaire, je ressors, je suis boosté. J'ai parlé pendant 15 heures de ce que j'aime, mais ça me fait du bien. Et allez répandre la bonne parole. Après, il y a des gens qui vont vous écouter, il y a des gens qui vont pas vous écouter. C'est pas grave. Vous allez rayonner cette philosophie, cette science, cet art, vous allez être les porteurs de la torche et les portes vont s'ouvrir. Tu te souviens de tes débuts, toi, à la sortie de l'école? C'était dur, c'était pas dur, t'as eu des moments Alors, moi, ça a compliqués? été une folie, moi, en fait. Je suis très. Ben oui, j'étais pas préparé. Enfin, je m'étais préparé, mais j'étais pas. Je suis rentré des États-Unis, j'ai fait un internship au Canada, je travaillais dans une grosse clinique à côté de Montréal. Un docteur avec qui j'ai partagé énormément de choses. Avec lui, j'ai fait mon premier séminaire avec Scott Walker à Ouais, Toronto. Je suis rentré, Scott. j'étais transformé, j'étais plus le même homme, quoi. Ouais. Et Scott, c'est devenu un ami, en fait. On est Et devenu amis après, progressivement. Et donc,
Je suis rentré en Dordogne, à Bec. Okay. Il y avait trois chiropracteurs à l'époque, t'imagines, en 92. Trois chiropracteurs. La zone où il y avait plus de chiro Ouais, exactement. en Concentration. Et des gens que je respecte tout à fait, avec qui j'ai un très bon rapport. Et je suis arrivé en quatrième position, j'ai ouvert mon cabinet. Au bout d'un an, j'étais, mais même pas, non, j'étais en juin. En juin, j'ai ouvert mon cabinet. En décembre, je ne pouvais plus prendre de nouveaux rendez-vous. Enfin, j'étais surbooké. Surbooké. Et là, Parce tu que penses, ouais, là, c'est ça. dans ma tête, j'étais prêt et j'étais surtout, voilà, j'avais envie de, et voilà, j'y suis allé, j'y suis allé, j'y suis Tu allé. rayonnais la chiropractique. Mais c'est ça, je veux dire, on est des gens à part. Si on sait pourquoi on fait les choses, le pourquoi des choses, c'est fondamental. La connaissance, c'est fondamental. L'art, les techniques, c'est fondamental. Il faut faire tout cela. Lisez des choses chiropractiques. Lisez des choses scientifiques sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux concepts. Quel que soit le domaine qui vous intéresse, qui vous passionne, mais surtout, lisez, comprenez pourquoi vous allez faire cette profession. D'accord? Vous n'êtes pas rentré là, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Vous êtes arrivé là parce que quelque part, il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui vous a interpellé. Vous êtes connecté déjà. Sauf que vous ne savez pas tout. Donc, eh ben, il faut se mettre en marche, se mettre en charge. Et Travailler. comme le dit Georges Goulart, hein, plus vous apprenez, plus vous réussissez. Plus vous réussissez, plus vous avez besoin d'apprendre. Et plus vous avez besoin d'apprendre, plus vous réussissez. C'est un cercle vertueux. D'accord? Et il faut rentrer dans ce cercle vertueux. Tous les jours, je veux dire, moi je dirais un jeune, il faut qu'il ouvre ses bouquins, il faut qu'il regarde ses techniques, il faut qu'il y aille, quoi. Moi j'ai passé des heures à faire ça. Je suis allé voir des chiros partout, aux États-Unis, au Canada, je le fais encore, même à mon âge, je veux dire, Oui, je parce que fais tu étais passer des peut-être en Autriche, non? heures Il y avait pas d'observation chez un longtemps. confrère pour apprendre des choses, parce que pourquoi il fait ça? Pourquoi il arrive à faire ça et moi j'y arrive pas? Qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Pourquoi? Apprendre, apprendre, Ok? apprendre. Voilà, il faut toujours. Mais ça, je pense que ça doit être un moteur, parce que c'est une passion, la chiropractique. C'est une passion. Il faut le faire pour les bonnes raisons, parce qu'on a envie d'aider les autres. Sinon, c'est dommage. On passe à côté de quelque chose et c'est dommage. Et il faut pas s'arrêter d'apprendre. Je pense que pour les jeunes, il faut garder notre patrimoine. Il faut surtout pas changer nos terminologies. On fait de la pratique, pas de la chiropraxie qui est un terme médical, nous sommes des chiropracteurs, on soigne pas des manipulations, on traite des subluxations, on enlève des barrages, d'accord? Avec des Voilà, ajustements. mais ça c'est clair, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On travaille sur l'intelligence innée du corps humain, on travaille sur la vie du corps humain. Voilà, la vie, il faut apprendre l'anglais. L'anglais, c'est vraiment la communication avec tout le monde anglo-saxon qui est à la base de la chiropractique. Donc, il faut vraiment aller chercher l'anglais. Je sais qu'aujourd'hui, normalement, c'est obligatoire, mais il faut plonger dans l'anglais, même si pour nous, c'est difficile, même si on a un C'est accent difficile pourri. pour tout le monde. Moi, je suis comme toi, Laurent, quand j'ai commencé. J'ai toujours un accent pourri, mais c'est pas grave. Au moins, ils me comprennent. D'accord? Quand j'ai commencé, pareil, hein, j'avais eu 7 en anglais au bac. Donc, Ah oui, bon, c'est pareil. c'est grâce à la chiro que j'ai appris l'anglais. Et puis, je dirais aux jeunes, ressentez la chiro. Allez voir des chiros qui ont de la bouteille. Faites-vous ajuster, même si vous avez pas mal. Parce qu'on ne va pas voir un chiropracteur seulement parce qu'on a mal. Il faut arrêter ce concept-là. Je pense que tu vas pas arrêter de te faire ajuster. D'accord? Non, Donc, mais seulement, ça il faut pas y c'est aller. sûr. Voilà. Non, mais il faut pas y aller. Il faut pas y aller seulement quand on a mal. Il faut aussi y aller parce qu'on a envie d'expérimenter autre chose. Et donc ça, c'est très important parce que on va être plus en connexion avec la source parce qu'on enlève plus d'interférences à chaque fois. Et à chaque fois qu'on enlève des interférences, on peut changer la vie de quelqu'un. On peut changer la vie de quelqu'un. Donc c'est comme si on allume une lumière quelque part et on permet à un système de refonctionner, de se retrouver en homéostasie et d'être connecté. Voilà. Et ça c'est autre chose, c'est un autre aspect, mais c'est fondamental aussi. Donc pour les jeunes, il faut qu'ils expérimentent ça aussi en allant voir des gens travailler pour se dire waouh, mais c'est ça aussi, d'accord? Parce que moi je suis de Bordeaux, ok? La chiro c'est comme un bon vin, tu peux en parler pendant des heures. Si tu goûtes pas, tu sais pas. Ça sert à rien. Ça sert à Ça rien. sert à rien, quoi. Donc pige-toi sur la table et on y va, d'accord? C'est Le intéressant. meilleur truc c'est de démontrer aux gens ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Et ça, il n'y a pas d'autre truc que de faire passer ça. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Encore une Allez fois, vous faire ajuster.
Faites-vous ajuster. Ne lâchons pas ce pilier sur toutes nos techniques. Allez les chercher. Il y a des moyens. Moi, je conseille aux jeunes d'aller, de bouger et d'y aller et de continuer ça parce que c'est vraiment très important. On va terminer cette entrevue avec la dernière question. On va se projeter sur l'avenir. Comment tu vois notre avenir, Laurent? Qu'est-ce que tu souhaites pour notre avenir? Quels sont tes désirs? Quels sont tes rêves? Comment tu vois notre avenir? Oh là avenir? là, on est là. En 2 minutes? En moins de 2 minutes. Ok. Non, non, prends ton Pour temps. l'avenir, ce que je souhaite, c'est que tous les jeunes puissent accéder par un biais ou par un autre à toute la richesse de notre patrimoine chiropractique sur ces trois domaines. Ok. Philosophie, science et art avec nos techniques. D'accord, ça, c'est vraiment très important. D'une façon ou d'une autre, ils vont l'avoir. D'une façon, on est en train de travailler dans ce sens-là. À toute action, il y a une réaction. Donc, plus on essaye d'éteindre, plus ça va rebriller de toute façon, d'une façon ou d'une autre. C'est un principe de base de l'univers, de toute façon. Okay. Regarde ce que tu fais là, aujourd'hui, d'accord? Ben, quelque part, tu allumes des petites lumières partout. Et ça va porter. Ouais, moi, tout ce que je fais, c'est que j'allume Skype. Oui. Les lumières, vous les allumez, vous, les gars. Moi, ouais, j'allume Skype et YouTube et je vous laisse allumer les lumières. D'accord. Mais donc, ça va continuer de perdurer de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Et surtout, il faut que les jeunes se mettent en marche par rapport à ça, parce que c'est leur bébé progressivement, c'est leur avenir. C'est eux les porteurs du futur. D'accord ? Donc, ils sortent de la caverne, s'il vous plaît, sortez de la caverne. De la caverne. Voilà, et allez voir les chiros pour essayer de découvrir les lumières. Et là, je vous assure qu'il va y avoir une connexion qui va se faire, de toute façon, entre les autres chiropracteurs qui sont prêts partout à partager leur expérience. Parce que la chiro, c'est un truc qu'on est prêt à partager. Quand tu vas faire un séminaire, tu discutes avec tes copains, et puis tu te dis « Ah ben ouais, mais moi je fais ça pour ça, puis j'ai découvert ça, puis il y a ça. » Et là, tu te dis « Waouh, c'est super !» Et puis tu vas te pencher sur d'autres choses. Voilà. Donc il faut faire vivre tout ça à travers des formations, à travers des colloques, à travers des interconnexions interdisciplinaires. La chiro, c'est aussi interdisciplinaire, c'est ce qui va nous faire grandir encore. Jean-Pierre, encore une fois, dans son travail, d'autres se sont interconnectés avec des dentistes, avec des neuros, avec, regarde, avec tout ça. Oui, nous, on est là aussi, on est là. Ne cherchons pas à être comme eux. Ok, nous avons notre... Voilà, c'est ça le plus important. Le futur, il est là. Et ceux qui veulent sortir de la caverne et qui veulent venir te voir en séminaire, c'est quoi les prochaines dates? Alors je mettrai l'adresse où ils peuvent te joindre, hein, le site, mais les prochaines dates. Le cycle de formation recommence chaque année, c'est un perpétuel recommencement. Le mouvement. Donc, Laurent a inventé le mouvement perpétuel. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, pour l'instant, je suis tout seul et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc, chaque année, je recommence. Donc, normalement, c'était en septembre, mais à partir de janvier maintenant, le nouveau cycle de formation va commencer à Toulouse et à Paris. Il va commencer à Toulouse à la mi-janvier et à Paris à la fin janvier. Et si les gens veulent toutes les informations, ils peuvent les avoir sur le site de chirolistique.com. Tout est posté en ligne de toute façon. Je travaille avec Delphine qui s'occupe de toute la gestion et de toutes les relations. On est un organisme de formation accrédité par le FIFPL, donc les chiropracteurs peuvent bénéficier de ça. Et cette année, j'ai réussi normalement à faire prendre en charge la formation par la formation longue. Ça veut dire qu'en France, les gens, disons, ont une prise en charge entre 80 et 90% des 8 modules de formation pour un chiro. Donc, c'est un truc super parce que ça leur coûte rien en plus, quasiment rien. Voilà. On travaille sur d'autres projets de formation aussi. On va essayer d'apporter tout ça. Je donne les cours aussi à Barcelone, normalement à Madrid aussi. Et voilà. Après, j'enseigne aussi un outil qui est une technique advanced de l'équé. Et donc, c'est mieux d'avoir fait d'abord équé pour comprendre les fondamentaux. Voilà. Et moi, j'invite les gens à venir simplement au premier module. Voilà. Au premier module pour se dire, OK, c'est quoi l'histoire? À quoi ça ressemble? C'est quoi, OK, mais non, mais c'est ça. Parce que ça se vit, encore une fois. Père Laurent, raconte-nous une histoire.
C'est ça. Alors, c'est l'histoire Moi, des clés. quand j'ai pris mon bâton pèlerin pour aller, parce que j'ai compris cette importance, il n'y avait rien en France au niveau de l'équité. Donc, ma démarche, c'était de dire, OK, essayons d'apporter les bases de la chiropractique, de la kinésiologie appliquée clinique de Goudart en France, en français, pour permettre cette plateforme de développement vers tout le reste. Parce qu'après, les gens peuvent aller faire du TBM, du NOT, du NET, de la nutrition, du sport, avec David. On fait Venard Leroux, qui est un mec super, super, super. Super intelligent, super riche dans plein de domaines. Il est venu faire un cours, mais on a bu du petit lait. Si tu peux redonner le nom du formateur parce que ça a coupé. Charles Héroux. Charlie. Charles Héroux. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il y a plein de gens comme ça. On a organisé des séminaires pédiatriques cette année avec ICLACA France. Voilà, on a énormément de participants. On voit bien que les gens sont intéressés Bien parce que sûr, maintenant, ils demandent. ils ont les bases. Avec ces bases-là, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. Et surtout, allez voir aussi d'autres formations. N'ayez pas peur. SOT, prenez l'avion, allez en Angleterre s'ils ne veulent pas venir en France. Mais Oui, on va se battre. On va se battre pour aller en France un jour. bon, super, on terminera sur ça. À moins que tu aies un mot de la fin, tu veux rajouter quelque chose, Laurent? C'est ton dernier mot. Mon dernier mot, donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Laurent, merci, merci beaucoup. Alors, franchement, alors l'interview était entrecoupée, mais avec ta passion, le flow, ça venait tout seul. Franchement, c'était super. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Donc, j'espère que ceux qui nous écouteront aussi se sont régalés. Merci, Laurent, d'avoir pris tout ce temps et de partager tout ça avec nous, avec ton amour et ton enthousiasme. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.